la gang, bienvenue sur ma chaîne. On est ici sur le Richelieu, essaye de pogner de la petite bouche comme ça. La super belle. Donc, sur ça, petite barre d'un muret de béton, parce que la petite bouche a bien. Dans le courant, dans les fonds rochers. Donc, on y va, let's go. On va s'ancrer ici, en dessous du pont. Il y a beaucoup de roches en dessous du pont ici, là, dans l'eau. Puis, petite pêche. Donc, on va s'encastrer un petit peu plus loin. Mettre le power pont à terre, dans l'eau. Puis, on va caster et essayer de pogner de la petite bouche. Donc, on y va. Avec mon Senko. Peu d'hameçon.
Faites chaud. Hop! Parti! C'est une belle petite perche chaude. On pogne de tout ici, perche chaude. Il y a du doré, il y a du brochet, de la chiguet, la barbotte, tout ce que tu veux. Et de pogner un autre achiguet. L'avez-vous sauté? L'avez-vous vu sauter? C'est incroyable! C'est hyper le fun, le chiquet! La petite bouche! Ils sont tellement. Ils veulent tellement s'enfuir de l'hameçon qu'ils sautent partout! C'est vraiment nice! Hey! C'est de la petite, mais au moins ça mord! C'est le fun! Vous l'armez à l'eau? Un autre petit crapet. On va le remettre à l'eau. Il est parti. Notre crapet. Belle, hein? Ils ont de l'énergie, au moins. Petit crapet. Des belles couleurs. On remet ça à l'eau. Allez!
est parti. Toujours encore avec le montage wacky. Super leurre de finesse. J'en ai souvent parlé. On pète ça. On le laisse aller dans le fond. On donne des petits coups pour faire aller l'action du leurre. Puis souvent, vous allez voir, ça va mort. On va donner des petits coups à la canne. On fait. Puis on sort le poisson. Oh oui, c'est une belle. Partout dans mon kayak. C'est une belle. Excusez-moi là, j'ajuste juste mon frein, pas la péter parce que c'est une très belle. Oh oui. Après moi, elle a pris du soleil. Regardez-moi la couleur, comment elle est belle. Elle est bronzée. Une autre belle achigan. Et que c'est le fun de pêcher la chicane. Juste le combat que ça donne un combat comme si tu prendrais un brochet. En plus, ça saute. Ils sont très féroces, puis ils veulent pas lâcher le bout. Hey, elle a des belles couleurs, hein? Belle chicane du Richelieu, hein? S'il y en a qui sont découragés du Richelieu, puis qu'il y a beaucoup de bateaux, ou qui n'ont plus confiance au Richelieu, regardez, il y a de la belle achigan, je suis sûr qu'il y a du beau doré. Il y a du très beau brochet. Il y a plein d'autres sortes de poissons. Donc, on va la remettre à l'eau. Un beau petit bisou. Yeah! C'est parti! Qu'on voit du monde sur un sidou qui sont pas contents, hein? Juste des surprises. Ils sont tous contents, tous heureux. Comme moi à la pêche, je suis toujours heureux. C'est tellement fun de pogner du poisson. Je pense que c'est plus le fun de pogner du poisson à la pêche que faire du sidou. Ah, bien sûr. Chacun ses goûts, hein?
notre bel Achigan. Des belles taches. Regardez ça. Waouh! Super belle. Encore au montage Waki. Comme vous pouvez voir, j'ai été essayer l'heure de surface. Ça n'a pas mordu, j'ai pas eu de touche. Je suis revenu à mon endroit ici. Regardez qu'est-ce qu'on pogne. Belle Achigan, petite bouche. Avec les lignes. Hey, es-tu belle, hein? Si vous la montrez plus proche, ma GoPro sur le chest, a plus de batterie. Quelle belle Achigan. Wow! Regardez ça. On va mesurer, voir. Belle Achigan de 16 et 3 quarts. Et qu'elle est belle. Merci. Hein? C'est que c'est le fun de pogner du poisson. On va la remettre à l'eau. Oh! Elle est déjà prête à partir. Vas-y, ma belle. Hein? Vas-y. Parti. Ah, c'est le fun de la pêche. En tout cas, pour le monde qui. J'aime pas ça, là. C'est pas de choix, mais pour rater quelque chose. Hey, j'ai de l'eau jusque dans les lunettes. Ok, elle est venue à la surface du bateau, puis elle a décidé de repartir. Elle me splash, et c'est assez vite. Et assez fort. Ah, que c'est le fun. On va faire deux, trois derniers castes. Puis après ça, je vais commencer à descendre. J'étais un petit peu loin de où ce que j'ai descendu mon kayak. Donc, deux, trois autres casques, voir si je suis capable d'en pogner. Puis sinon, ça va être ça pour aujourd'hui. Mouillé de partout. Ah! Hey, regardez-moi ça encore, les couleurs. Hey, ça en fait deux back-à-back que je pogne. C'est peut-être la même, mais là, aucune espèce d'idée. Regardez-moi les couleurs de ça. Wow! Donc, tu belle, hein? Notre belle Achigan, petite bouche. Au Richelieu. Hein? En tout cas, ça valut la peine de rester un petit peu plus tard. Là, c'est super calme alentour de moi. Il n'y a plus ben ben de bateau qui passe, à part un gros qui s'en vient. Hey, je suis toute mouillée. Elle me splashait assez vite. Fait que, on va prendre des photos de ce poisson-là. Le bel Achigan, petite bouche-là. Il s'appelle Georges. Puis, je la remets à l'eau.
parti. Tranquillement, pas vite. Salut la gang. Donc, pour la conclusion de la vidéo, j'ai été au Richelieu hier. Ça s'est bien passé, j'ai capturé du poisson. Je fais la vidéo aujourd'hui parce que hier, je suis sorti de l'eau très très tard. Il commençait à faire noir. Donc, je voulais juste vous expliquer avec quoi j'ai pêché toute l'après-midi. Dans le fond, j'ai pêché au montage Waki. Pour le monde qui ne le savent pas, c'est un hameçon avec un Senko. On le pique au milieu, on lance ça, puis on le laisse couler jusqu'au fond, puis on donne des petits coups avec, puis souvent, la chigan ou le poisson va mordre. Et vous allez avoir un poisson au bout de la ligne. Le combo que j'ai utilisé, dans le fond, c'est ma canne à finesse. C'est une Okuma TCS, medium light, 7 pieds 2, donc je peux caster super loin. Puis en ayant une canne très très longue, c'est que le tip est mou. Donc je chantais toutes les touches, même un crapet, je chantais les coups que ça donnait. Le fil qu'il y a après ça, c'est du 15 livres test. Pas besoin de mettre bas de ligne en fluorocarbone. En tout cas, j'en ai pas mis parce que l'eau au Richelieu est très, très sale. Si jamais vous allez en eau claire, mettre un bas de ligne en fluorocarbone. Le moulinet que j'ai sur ça, c'est un Okuma Inspire. C'est un, je pense, un 2500, si je ne me trompe pas. Ouais, 2500 ou 3500. En tout cas, je le vois pas, mais ce moulinet Inspire. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, juste mettre un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. On est à 200 personnes qui se sont abonnées. On est capable de monter ça encore plus haut. Ça m'encourage énormément à faire des vidéos. Donc, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous laissez un commentaire. Vous avez aimé ma vidéo. Si jamais vous avez des idées pour d'autres vidéos. Puis sur ça, je vous laisse. Puis, puis aussi, tout ce que j'ai utilisé va être écrit dans ma description en bas. Donc, la canne de moulinet, le leurre, l'hameçon. Donc, vous allez pouvoir aller voir les liens et les acheter là. Donc, sur ça, je vous laisse. Moi, je m'en vais faire d'autres choses. Puis, à la prochaine. Salut!